J'ai pris le risque de lâcher mes 5 ans d'études et de devenir développeuse. Et j'ai aucun regret. Avant 42, j'ai fait des études de droit et en parallèle, j'étais gendarme réserviste. Donc en 2013, je suis rentrée dans la classe préparatoire intégrée de la gendarmerie. Mon frère est rentré dans la promo 2013 de 42. Et je venais à 42 prendre des cafés avec lui. Et j'ai adoré l'ambiance. Il y avait une telle énergie, un tel envie d'apprendre et il s'éclatait vraiment. On a fait un pari, je devais faire les tests en ligne. J'ai décidé de faire la piscine, juste pour rajouter une corde à mon arc, puis savoir si oui ou non je serais capable de coder. C'était un truc que je réservais à mon frère, et en fait, je me suis éclatée. J'étais à fond dedans, donc je laissais pas trop la place au doute. J'ai appris énormément, j'ai rencontré énormément de monde extrêmement différent. Je me suis laissée emporter par toutes les conférences, et je me rendais compte au bout d'un moment que je codais plus du tout. Et quand j'ai trouvé un groupe avec qui bosser, après ça a été à fond. Et ensuite, on a intégré ensemble le laboratoire 42, avec le partenariat VIP. C'est des étudiants qui travaillent 3 jours par semaine pour aider une des équipes. Aujourd'hui, je travaille pour Futura Gaia, c'est une start-up qui fait des fermes verticales. Il y a plein de défis pour construire une ferme automatisée, c'est juste génial. Merci 42.